fait, ceci dit, la question qui est posée est plus globale. Je suis à votre disposition, M. le permanent, on pourra se voir plus spécifiquement sur ces questions-là, mais la question qui se pose à la fois pour les travailleurs et pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'on les maintient sous le seuil de pauvreté. Voilà. Ça, c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, moi, depuis Chirac, je ne peux qu'entendre les grands discours sur la priorité du handicap, etc. Mais une loi de 2005 qui n'est pas complètement mise en œuvre, alors qu'elle a été repoussée, puisqu'elle devait être complètement mise en œuvre au 1er janvier de cette année. Mais ce qui n'est pas acceptable pour l'ensemble des minima sociaux, pour l'ensemble des minimums vieillesse et pour les personnes en situation de handicap, c'est que dans ce pays, on ait ce qu'on appelle des minima qui soient en dessous. C'est le pouvoir monétaire qui aujourd'hui a...